I feel like Montreux is my home too. I mean, it's like Christmas here every year in the summer. Les jam sessions sont mythiques au Montreux Jazz Festival. Chaque année, des musiciens légendaires se joignent à de jeunes talents pour des impros d'anthologie et les performances sont gratuites. Un régal pour les amateurs de musique live, les musiciens et les mélomanes en recherche d'émotions fortes. C'est une expérience à vivre et on se devait t'en parler. Je m'appelle Medina, j'ai la chance d'habiter sur la Riviera vaudoise. Et comme les habitants de la région, nous avons l'opportunité et vraiment la chance d'aller au Festival de Jazz de Montreux. Et vraiment, l'ambiance était, comme aujourd'hui, toujours internationale et très chaleureuse. Les jams se déroulent au Memphis, club de jazz à l'américaine, avec ses tables rondes et son bar. Le lieu accueille tous les soirs la magie des moments d'exception, jusqu'à parfois 5 heures du matin. En juillet dernier, on a croisé du beau monde. Jon Batiste, le génie britannique Jacob Collier, David Mrakpor, le binôme de Blue Lab Beats, ou encore notre ambassadeur français, le pianiste Sofiane Pamar, ainsi que des artistes anonymes, mais qui ne le resteront pas longtemps. Hier, on a eu Chilly Gonzalez, Sofiane Pamar, qui sont montés sur scène avec Ferdi, un saxophoniste aussi, notamment un triple du jazz, et puis ils ont joué pendant, je sais pas, 30 minutes. Les gens se sont mis sur les tables, ils sont commencé à danser sur les tables et tout. Wow. C'était assez drôle. Et Chilly Gonzalez, par ailleurs, quelqu'un de très marrant. On a eu des jams avec Mono Neon aussi, Jon Batiste. Wow. Ils ont jamais ensemble? Jamais ensemble, ouais. Incroyable. Ah, Jon Batiste, incontestablement la star de cette 56e édition du Montreux Jazz Festival. Les jams qu'il nous a offertes avec d'autres signatures et anonymes resteront dans les mémoires. On aurait adoré interviewer ce caméléon de la musique, mais à défaut, j'ai eu l'opportunité de lui poser une question essentielle lors de son workshop au Memphis. Une question, tu te rends compte? Ok, je transpire à grosses gouttes, je prends le mic et je me lance. Dis Jon, comment arrives-tu à switcher de la soul classique, du jazz au hip-hop et de la pop à l'afro? Ça ressemble à un besoin d'équilibre chez toi. Est-ce le cas? Yeah, that's a very, very great way to phrase it. Balancing within yourself. A lot of times with music and building a path of being a performer, there's an expectation that is developed around the performer to do something and continuously, consistently be the same thing. So to be a jazz musician or to be a rapper or to be a reggae musician or a New Orleans musician or a classical musician. Now, some people decide and that's what they want to do and that's the best that they can do and that's what is their best musical expression. Other people have the capacity to understand more music than what is typical of the public's expectation of a performer. So then you have to figure out, okay, well, either I'm going to choose one because that's what's typical, even though I enjoy and have studied and am well-versed and like to create in all these different arenas, I'm going to just pick one. Or you could say, I'm going to create something that allows me to express the full range of who I am as an artist, as a person, and the full range of what it is that I know, because I think that's better for humanity. that's better for the audience, and that's better for me. So it's a win-win. So that's really what I've been trying to do since the beginning of making music, because I always felt constricted by the idea of sticking to one thing. And I know more than that. So I feel like it would be an injustice to just, okay, even if people want to limit you and say, oh, that's just a jazz musician, or just a pop musician or class or whatever. Why, you know, I don't believe in that. Thank you. En tant que natif de la Nouvelle-Orléans, et tu l'auras compris, grand musicien qui ne se limite pas, Jon Batiste maîtrise l'art de l'improvisation. Il est aussi animé par l'art de surprendre et de propager du love. Ce soir-là, pour son grand concert à l'auditorium, en guise de sortie de scène, il nous a fait une belle démonstration de sa générosité en empruntant à sa Nouvelle-Orléans natale une tradition plus connue sous le nom de marching band. Ces groupes de musiciens qui performent en marchant dans les rues lors de moments festifs comme le carnaval. Tu vois, il a le truc, Jon Batiste. Alors imagine l'artiste dans une jam. Mais avant de te dévoiler le meilleur des jams de ce Montreux Jazz, revenons sur l'essence même de cette tradition instaurée depuis 1967. On a interrogé Yako, qui porte la responsabilité de leur organisation depuis 2 ans. Les jams, c'est quelque chose qui a toujours été là au Montreux, et c'est durant les jams qu'on a vu des moments légendaires où tu as par exemple Miles Davis et Marcus Miller qui jouent ensemble, ou Prince qui vient après son concert jouer. En fait, les artistes qui sont bookés au jazz connaissent les jams. Je croisais un musicien américain qui me disait que depuis petit, il entendait parler de ces jams-là, que là, il y était et qu'il était honoré de pouvoir y participer. Et souvent, en fait, comme l'ambiance est chaleureuse, créative, et qu'on peut faire beaucoup de rencontres inattendues et magnifiques, les gens viennent, il y a parfois même des artistes qui prolongent leur séjour pour rester, continuer à jammer. Les jams, c'est aussi les anonymes. Oui, enfin, personne n'est vraiment anonyme sur scène, puisqu'on les présente, et à partir du moment où on est sur scène et qu'on met son cœur à l'ouvrage, on opte pour la musique, alors on sort de l'anonymat. Mais oui, il y a beaucoup de... En fait, il y a autant des musiciens professionnels qui sont bookés au festival, qui viennent au jam. C'est notre tâche, c'est notre devoir de pouvoir... Ils se rappellent du Montreux Jazz Festival comme un endroit magnifique où ils ont pu s'amuser. Et c'est aussi notre rôle de pouvoir inviter des gens qui sont simplement visiteurs ici, qui se retrouvent naturellement à être au jam et à voir que les gens montent sur scène et ils ont aussi, eux aussi envie de monter sur scène. Ouais. C'est pareil, ça crée des rencontres impromptues. Le but d'une jam, en fait, c'est simplement de faire de la musique de manière improvisée avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Je dirais que c'est un peu comme simplement une conversation, passer du temps avec des gens. Là, en ce moment, on est en train de jammer, toi et moi, parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va se dire. C'est vrai. Et quelqu'un lance une mélodie, l'autre répond, et ça crée une harmonie. On discute avec un certain rythme. Il faut changer de rythme en fonction de ce qu'on ressent. C'est un peu ça, une jam. Les règles que mon collectif, le Chic Astral, établit durant ces jams, des règles assez simples. La première qui est la règle, on va dire, d'humilité. On vient pas pour faire son propre show, on vient pour servir la musique, pour rencontrer les gens, leur offrir et s'offrir un moment de magie ensemble. Et donc ça implique d'autres règles comme celle de l'écoute, donc celle de toujours être attentif à ce qui se passe autour de nous, pouvoir y répondre et permettre l'élévation du groupe en fait. C'est une école de vie en fait. Et, la mélodie, l'harmonie, le rythme, c'est des choses qui se retrouvent dans la vie de manière générale. thing become my kinds. You find your ways to explain. Quand on parle de jam, on a tendance un petit peu à l'assimiler au jazz. Et hier, quand on est passé avec la team, on a entendu un gars slammer. Ouais. Est-ce que tu peux nous aider à déconstruire un petit peu ce mythe un peu poussiéreux? Au niveau des genres musicaux qu'on connaît aujourd'hui, tous les genres se mélangent. Et aujourd'hui, le Montreux Jazz Festival, c'est aussi un festival qui accueille tous les genres de musique qu'on pourrait catégoriser dans d'autres cas que le jazz. Mais en soi, le jazz, en fait, c'est tout. Ça peut être tout type de musique. C'est une question d'interprétation, c'est une question de manière de jouer sa musique. Ne pas suivre simplement une partition, c'est-à-dire aller plus loin que ça, aller dans le détail, le subtil, l'inattendu. Et en cela, c'est clair que les jams, ce sera toujours lié au jazz. Ouais. Mais le jazz que nous, on connaît et que nous, on défend, c'est un jazz qui inclut... du rap, du slam, de la néo-soul, du rock, la musique psychédélique, même de la musique classique. On a des musiciens classiques qui viennent jamais. Et c'est aussi ça le jazz. Quand on écoute des œuvres de jazz, on peut écouter du Miles Davis, l'album Beach is Blue par exemple, c'est du rock psychédélique en fait. Le jazz, ça n'a pas de limite. Merci Yako. Laisse-moi te dire qu'avec le Chic Astral, vous organisez les jams d'une main de maître. Est-ce que vous avez fait des jams à l'époque? Est-ce que vous avez un souvenir particulier? Il y a eu plusieurs soirées comme ça où vraiment c'était éternel. On ne pouvait plus partir. On était tellement bien. Oui, vraiment top. Je trouve que c'est chaque fois bien rodé, bien organisé. On a beaucoup de chance, oui. Mais quelle frénésie sur scène! Des moments d'extase, de transe et de grâce. Ce sont des moments à vivre, people. Pour notre dernière soirée à Montreux, on a eu droit à un show totalement improvisé entre Jon Batiste, Jacob Collier, David Mrakpor, le batteur de Blue Lab Beats, et d'autres musiciens tout aussi exceptionnels. Allez, je te laisse en juger par toi-même. Extrait des meilleurs moments capturés par la team. Yeah. on n'a pas su résister à l'envie de kidnapper David Mrakpor, multi-instrumentiste et binôme du groupe Blue Lab Beats, qui fait aussi des ravages parmi la scène new jazz britannique, soit dit en passant. NKOK, l'autre partie du binôme, n'était pas là, mais David oui. Bref, on lui a sauté dessus. So yeah, I go by the name of David Mrakpor. I'm also known as Mr. DM, also one half of Blue Lab Beats. We are a North London jazz tronica duo. We've been working together for over 10 years. So shout out to my partner NKOK, Namali Kwaten from North London. So yeah, I'm just enjoying Montreux right now. It's amazing. I got here on Friday. I was playing bass with a jazz pianist called Matisse Picard. It was a great experience. Yeah, the jam is great. Yeah, we got Jacob Collier smashing it right now on stage. We got Robin Malarkey playing bass right now. I saw their set earlier. It was really amazing. Have you seen Jacob Collier? I have. Yeah, I went to high school with him back in the day. Yeah. And then after he did his set, Jon Batiste did a really amazing gig, which was really sensational. You went in the house? Yes, I saw both gigs. So like it's been a generally like amazing experience because I came here last year with my band Blue Lab Beats and we did a gig right on that stage and it was also an amazing experience. But yeah, right now it's really great to meet a lot of great musicians like around my age. It's really great. The good thing about jam sessions is like you can learn. Yeah, there's always something to learn from everyone. It's just really great. You get to hang out with people, talk to people, have a few drinks. Yeah. Are you gonna jam? I actually just came off stage, but there's a bit of time. Maybe I'll get back on stage. Yeah. Thanks a million. You're welcome. Welcome. Thank you for having me. Évidemment, en vrai insiders qui se respectent, on a aussi tenté notre chance auprès de Jon Batiste et de Jacob Collier. It was fun. Thank you. Thank you very much. I loved it. Mais comme tu peux t'en rendre compte, il n'était pas vraiment dans le mood de répondre à nos micros. Est-ce que tu pourrais nous donner, on finira sur ça, trois termes, trois adjectifs qui qualifient au mieux les jams du Montreux Jazz Festival? Magique, chaleureux, chaleureuse, inattendu, imprévu, imprévisible. Tout autant que toi. Merci beaucoup. Merci à toi. De grands noms tels que Prince, Marcus Miller ou Nile Rogers se sont illustrés sur les scènes gratuites du festival qui accueille les jams. Cette année encore, la liste s'allonge. J'espère de tout cœur que l'opportunité de vivre ça te sera donnée. Le Montreux Jazz est toujours vivant. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas d'autres endroits que Montreux pour le Montreux Jazz. C'est l'endroit idéal. Il fallait le voir pour le croire. Avec ce cru d'artistes exceptionnels rencontrés au jam, le public était au bord de la transe. Tu sais à quoi on aimerait assister lors de notre prochain passage? Des artistes hip-hop, reggae dancehall ou qui revendiquent des sonorités d'Afrique, venir avec audace et humilité mêler leurs vibes à l'inconnu pour créer encore plus de magie. Thank you very much. Standing for this jam. The jam is now ending. We thank you for your legendary presence. Right now, make some noise for yourself. Amis artistes, il ne tient qu'à vous de nous ouvrir encore plus le champ des possibles sonores et de nous faire voyager encore plus loin. God bless you all.